on va commencer par avec Pierre. Alors Pierre, il a débuté sa carrière en 1946, donc juste après la guerre. Et ben, il va nous parler de ça. Alors donc Pierre, vas-y, dis-nous un petit peu donc tes débuts. Tu es rentré au studio Fox Europa, qui était donc la Fox à Paris, enfin en France. Et raconte-nous un petit peu comment tu en es venu à ça. C'est-à-dire que je voulais travailler dans le cinéma, et puis j'ai frappé à des portes, j'ai été mal accueilli. Notamment, j'avais été à Saint-Maurice voir un ingénieur du son, et l'ingénieur du son m'a dit « Ah non, le stagiaire, non payé, etc. Il y a déjà du chômage, le syndicat ne veut pas. » Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui m'a pris comme projectionniste au Cinévogue. Le Cinévogue n'était pas un cinéma X à l'époque, mais c'était ces cinémas permanents qui démarraient à midi et qui finissaient à minuit. C'était d'ailleurs curieux parce qu'ils démarraient en plein milieu d'un film, et les midinettes, elles venaient voir le film, mais elles ne voyaient pas le début, etc. Bon. Et puis, bah, j'ai appris le métier de projectionniste. Là-dessus, il y avait dans ce cinéma un garçon qui était opérateur au studio Europa à la Fox, et c'est par lui que le chef de cabine lui a dit « Ah, bah, s'il y avait un poste là-bas ». Donc je me suis présenté et ça m'a permis de rentrer effectivement le 2 septembre 1946 comme projectionniste au studio qui est le studio Fox, qui était Fox Europa à l'époque, et qui était à Saint-Ouen, le studio de la Fox. Et puis j'ai progressé, j'ai été projectionniste pendant un certain temps, et puis comme toujours, il y a du mouvement dans le personnel, et puis je me suis trouvé dans un délai assez rapide, descendre de la cabine de projection à la cabine de recording, et à passer comme assistant du son. Donc j'étais assistant, et pour des raisons un peu particulières, il y avait cet opérateur qui m'avait fait rentrer, mais qui lui ne faisait que les enregistrements. Dans une cabine, il enregistrait les comédiens. Et puis les années ont passé, et il y a eu des bouleversements un peu techniques qui ont été des grandes marches d'escalier. À cette époque-là, c'était l'enregistrement, ce qu'on appelait optique. C'est-à-dire que tout était enregistré sur de la pellicule négative. Ensuite, on travaillait les positifs sons, etc. Et puis, d'un seul coup, est arrivé l'avènement du magnétique. Alors, le magnétique, ça a chambardé tout, parce que pour tout le monde, pour les techniciens comme pour les comédiens, puisque les comédiens, eux, enregistraient et n'entendaient pas le résultat de ce qu'ils faisaient. À l'époque, il y avait le chef de plateau qui jugeait, et le comédien, il ne savait pas ce qu'il disait. C'était l'époque où on rigolait parce qu'on disait que nanana, nanana, c'est toujours le même ton qui revenait doublement parce que l'enregistrement était fait par rapport à des boucles images qui, évidemment, étaient très courtes. Donc il y avait une espèce de répétition qui se faisait continuellement. Et ça a été un grand événement technique. Le jour où, par l'enregistrement magnétique, les machines ont permis d'enregistrer en boucle, c'est-à-dire qu'il y avait une boucle image, et puis il y avait la boucle magnétique, et on enregistrait dessus, et puis on réécoutait derrière, et on en refaisait une partie, etc. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de comédiens qui se sont corrigés parce qu'ils se sont rendus compte du mauvais ton qu'ils pouvaient donner sur les phrases, et le fait de s'entendre a été un grand changement. Et puis cet enregistrement, il y a eu ça. Et puis moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce qu'on avait un ingénieur du son qui malheureusement
J'ai eu des problèmes de santé et je me suis retrouvé avec des installations telles que le magnétique a obligé à mettre des amplis d'écoute, enfin à faire des tas de transformations, et j'ai travaillé là-dessus. Et puis cet ingénieur du son, il est revenu, après avoir été malade, il est revenu et est arrivé l'époque de la stéréo, c'est-à-dire c'était la tunique avec la stéréo. Et à ce moment-là, il a fallu faire encore une fois des transformations sur le plan...